On n'a pas mis ton âge sur la lettre. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. T'as 14 ans? Oui. Ah bah c'est un peu vieux hein, pour les rôles principaux. Oh oui, mais je suis pas très grand. Hein. Ah bon? Tu parais 12 ans et demi, tu crois? Bah je pense. Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Et ben, bon, c'est savez. Gouailleur? Oui. Ah bon, c'est pour ça, parce que le gars penseur, moi... Non. Non. Et tu vas en classe où? Oh bah ça, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement. Ah bon? C'est... Ça me fait des vacances, quoi. Ouais. Sinon, ça tu fait... es en pension? Quoi, là? Oui, je suis en pension, interne, quoi. Ah bon, je sors juste aux grandes vacances. Mais là, ils vont pas être contents, alors, de me manquer comme ça. Oh, mais eux, ça fait rien, du moment que je suis content. Ah bon? C'est essentiel. Et ta maman joue, hein, au cinéma? Oui, oui, aussi. Quel nom? Comment elle s'appelle? Jacqueline Pierreux. Ah ouais? Et tu connais Monsieur Dobarky, je vois? Oh ben moi je connais pas grand monde, c'est ma mère qui le connaît, puis alors on l'a rencontré sur les Champs-Élysées. Ah bon? Alors ma mère justement elle a dit tiens, monsieur, enfin un ami, il veut, on a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Alors elle a dit, il y a mon fils, hein. Puis il a dit bon ben envoyez-le de ma part, puis alors de ma part on a envoyé une lettre de sa part. Il est gentil monsieur Marquis? Oh ben vous savez, je l'ai vu 5 minutes, enfin il semble très gentil. Ouais. Sur la route comme ça. Et dans la vie tu es plutôt triste ou gay? Oh moi je suis gay, je suis pas triste. Ah bon? Bien coupé. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu seras grand, quoi? T'as absolument aucune idée. Ah, t'as pas d'idée? J'ai absolument aucune. Ça te plaît pas, le cinéma? T'as pas envie de continuer comme si, ça? Si, non, enfin, je sais pas. Aussi, moi, ça m'intéresse. J'espère, enfin... Vedette de cinéma? Ouais, enfin, réussir là-dedans. Parce que... Enfin, j'aime bien ça. Ah bon? Oui. Bon, c'est la première fois que je viens, alors je peux pas savoir, pas avoir l'impression de... Au bout de... Si tu fais le film, au bout de quelques jours, t'es pris dans l'ambiance, puis il y a la troupe, il y a tout ça, ça... Oui, c'est bon, ça doit être intéressant, oui. T'es content. Tu fais de l'art dramatique dans l'école où t'es? Oh, non. Ah alors, oui rien de théâtre, rien de tout ça. Ah, rien du tout, tu fais tes études, quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est pas... Oh non, on varie là-bas au collège, et puis... Ah non? On s'amuse bien, quoi. On fait des petites soirées sans dire rien à personne, puis le soir, allez, les gars, on monte, on fait une petite estrade, et puis on joue un truc, alors tout le monde est étonné, ça fait toujours bon effet. Moi, ça va pas être mal. Alors le directeur, il est sympa pendant une semaine, parce que ça lui vient content, puis après... Nous, on l'a sur le dos, mais... Ah oui, le nôtre, il est allé en Indochine. Ah alors bon. Il dit, oui, espèce de petit salopard, regardez ce que vous mangez. Moi, quand j'étais en Indochine, je bouffais des cafards. C'est ça. Alors, non, la prison sur les dos, il est bossu comme ça. Ah, il est bossu. Oui, c'est pas très intéressant. Il faut lui toucher sa bosse, ça porte bonheur. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 12 ans et demi, je vais sur mes 13 ans. Ah bon? Tu as déjà joué? Non. Jamais? Non, jamais. Et tu as envie? Oh, ça me plairait bien, oui. Tu fais des libéraux, qu'est-ce que tu fais? Moi, je chante, putain. Je chante pas dans des grands, dans des musicals, mais quand on va en déplacement avec les copains ou alors dans des cafés comme ça, que je chante. J'ai même été remarqué par une... Son mari était metteur en scène. Alors elle m'a dit, donnez-moi votre adresse à Piriac. Alors je l'ai donné. Ouais. J'ai dit, si j'ai un petit machin, un crack. Ouais. Je danses ici, non? Oh non, je vais au musical, mais je danse pas, moi. Tu danses pas? Je regarde plutôt. Et tu chantes comme Aznavour, il paraît, c'est vrai? Oui. Tu peux nous faire une imitation un peu? S'il vous plaît. Même sans musique? Non, ça va. Mais je suis un peu remué alors, hein. Ça fait rien, ben, justement. Allez, vas-y. Pour ce désir qui nous inonde et se traduit ça peu à peu en les instants là, fin du monde, merci mon Dieu. Pour ces désirs qui nous se forgent avec des larmes, font des yeux et des joies. Tu peux nous raconter ce que tu as fait depuis ce matin, depuis que tu es réveillé? Ce matin, quand je me suis levé. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pris ton petit déjeuner? Oui, alors, on a emmené. Je peux raconter qu'est-ce que. Oui. C'est passé ce matin, alors. Il y avait ma petite nièce qui s'est enfoncée une aiguille dans le pied, alors on l'a envoyée à l'hôpital. Et puis. Puis après? C'est grave? Oui, assez. Le chirurgien a demandé à ma soeur, sa mère,
qu'elle aille faire une signature si on puisse l'opérer. Alors elle y a été, puis alors, toute la famille, surtout mes parents quand ils sont d'Orient, arméniens, qu'est-ce qui a pu se passer, tout ça, ça peut être un petit machin petit, ou alors une opération, ils s'inquiètent. Alors on l'a opéré, puis c'était presque rien, c'était une aiguille. C'était un demi centimètre dans la peau, je sais pas pourquoi. Alors après, sur un coup de... Après j'ai promené ma petite nièce, l'autre, quand ils sont trois. J'ai promené la deuxième. J'ai emmené se promener dehors. Après je suis monté chez moi, j'ai mangé, puis après... Tu t'es habillé pour venir ici? Oui, non. Après j'ai été à l'hôpital la voir. Ah bon? Après je suis revenu pour acheter les chaussures, et puis après je suis venu ici. Ah, mais... Bon, tu te sens bien dans ces nouvelles chaussures, ça va? Ça va. Vas-y. I wanna sense, go marching in. I wanna sense, go marching in. Oh yes, you want to be and dancing, but I wanna sense, go marching in. I wanna sense, go marching in. I wanna sense, go marching in. I wanna sense, go marching in.